combien? C'est toujours très différent. Peut-être jusqu'à 100 000 le samedi. Vaut mieux prendre le samedi. Jusqu'à 100 000? Moi-même, j'étais complètement ahuri quand j'ai vu ce qu'il avait à transporter. Et comment il le transporte? Dans un attaché-case, dans des sortes de bombes. Des bombes. Astucieux de transporter tout cet argent dans des sortes de bombes. Il l'emmène où? À la Crédit Bank, à côté de chez nous. C'est pas loin de la maison. 500 mètres. Est-ce qu'il y va à pied? Non, il y va en voiture. Il part du parking du supermarché et va à la banque. Et il dépose les bombes là. Est-ce qu'il est seul? Non, en général, ils sont deux. Il y en a un qui sort, le deuxième reste dans la voiture. Avec un revolver qui est prêt à tirer. C'est pas de la tarte. En ce moment, il n'y a pas son collègue et il est tout seul. Oui, il est à l'hosto. Il va y aller seul. Il a le revolver. Mais vous n'avez aucune inquiétude à vous faire parce que il ne s'attend jamais à se faire agresser. Et jamais il ne s'en doutera. Pourquoi pas? C'est son caractère. C'est un optimiste. Ça date pas d'aujourd'hui. Tout simplement, c'est une chose qui ne viendra pas à l'idée. Vous pensez qu'il sera facile de lui piquer les bombes avec le fric? Non, très facile. Oui, c'est pratiquement sans risque. Je vous assure que c'est du tout cuit. Bah ouais. D'accord, la moitié pour moi et le reste à partager entre vous. Pas question de ça, le tout en trois. Et je prends tous les risques. Il n'y a aucun risque. Je viens de vous le dire. Je ne vois pas où. Bon, c'est entendu. Nous allons bien étudier les détails. On a fait tout ce qu'il fallait, je crois. Naturellement. Demain soir, tout sera réglé et nous allons enfin avoir de l'argent. Oui, j'arrive, une seconde. Je sais que j'ai oublié la clé dans la serrure. Seulement, je l'avais fait exprès. Ça vous a forcé à sonner et je sais à quelle heure vous rentrez. Vous avez vu l'heure? Alors, tu nous surveilles? Oh non, je suis conciliant. Et si on ne fait rien de la journée, on n'est pas très épuisé le soir. Hein? Tu me dis l'heure qu'il est, toi? Il est 1 heure. 1 heure. Et où est-ce que vous traînez? On a été faire un tour. On se baladait dans la nature. Allez, ne te fous pas de moi, toi, hein? S'il y a une bière, tu me la portes, Tania? Non, je vous interdis de boire à cette heure. Vous avez assez bu pour ce soir. D'ailleurs, j'ai 2 mots à vous dire. C'est pour ça que je ne me suis pas couché. Et pourtant, je suis très fatigué. Je me fais beaucoup de soucis. Arrête une seconde. Toujours ta chanson, on a grandi, tu sais. Je te répète que vous êtes toujours des gosses. Et des gosses qui ne sont pas raisonnables. Donne-moi une bière, Agnès. Bon, d'accord. On n'a rien dans le crâne. Mais toi, t'as quelque chose? Tu as quelque chose parce que tu bosses, parce que tu te couches à l'heure, parce que tu te lèves à l'heure, parce que tu travailles comme un dingue. Tu mènes une vie misérable. Sans t'en rendre compte. Alors arrête, bon sang. Comment est-ce que tu vois ta vie? Mais qu'est-ce que tu vas imaginer? Vous voulez toujours tout avoir sans fatigue et sans travail. Et vous attendez toujours que ça vous tombe tout rôti dans le bec. Toi, tu peux me dire ce que t'attends? Oh, bien sûr, tu attends ton salaire. Ton salaire. Vaut mieux pas en parler de ton salaire. Tu bois avec moi? Non, non, j'ai pas envie de boire. Bon sang, papa. On a une opinion différente, je te l'accorde. Mais il faut avoir des opinions différentes dans la vie. Tu devrais essayer de réaliser. Allez, bois un coup avec moi. Tu nous donnes les verres? Mais toi, tu devrais essayer de comprendre que je me fais du souci pour toi. Pourquoi tu ne veux pas travailler?
Mais je travaille. Oui, oui, de temps en temps, ça te prend quelques fois. Et uniquement quand tu n'as plus d'argent. Moi, je pense que tu trouverais du travail si tu te décidais à en chercher. Et puis toi aussi. Oui. Mais vous ne voulez pas chercher. Pourquoi, mon Dieu? Vous êtes trop inconscient. Oui, c'est ça. Inconscient. Vous n'avez aucun amour propre. Et je me demande d'où peut bien vous venir ce caractère. Je n'en sais rien du tout. Ça va. Tu dis sottise. Ni Agnès ni moi, nous sommes inconscients. On va aller se coucher. Oui. Allons nous coucher. Il faut que tu lui demandes. Oui, j'ai pas oublié. Je vais lui demander. Je peux entrer une seconde? Bien sûr. Excuse-nous, papa, si on t'a ennuyé. Ouais, ça n'a aucune importance. C'est involontaire. Je regrette. Tiens, tiens. Ah, y a quelque chose de changé. Tu t'excuses maintenant? Je te demande de nous excuser. Nous ne voulons pas t'embêter, ni moi, ni Anya. Non, bien au contraire. On se demande seulement quelle joie la vie t'a apportée. T'as l'air tout étonné, mais nous sommes inquiets aussi. Ne faites donc pas de bile à mon sujet. J'ai pas à me plaindre. Enfin, pas autant que je le dis. Alors, je suis content. Est-ce que ton collègue est toujours à l'hosto? Quel collègue? Tu j'en ai beaucoup, des collègues. Tu sais, le copain qui va toujours avec toi à la banque le soir pour livrer le fric. Lohmann? Oui. Oui, il est encore à l'hosto. Et il n'y a personne qui le remplace? Ah, pourquoi veux-tu? Lohmann va revenir lundi. Tu sais, je peux m'en sortir tout seul. Alors, tout va bien. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, Michael. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Demain, il sera tout seul. Est-ce qu'il dort? Oui, il vient d'éteindre la lumière. Où est le revolver? Dans le living room, dans la commode. Il l'a peut-être déjà mis dans son attaché case. Alvin, téléphone. Ouais. Ouais, c'est le docker. Bien, il sera seul. Tout est arrangé. Il ne sera pas armé. Il aura son pistolet, mais il ne sera pas chargé. Il le fait? Je l'ai prévenu qu'il n'y a absolument aucun danger, ni pour lui, ni pour personne. Il n'arrive pas à comprendre qu'on peut avoir de l'argent si facilement. Est-ce que vous avez passé une bonne nuit? Oui, si on veut. Vers 2 heures, on a entendu des voitures. Beaucoup de clients ne rentrent que très tard. Eh oui, il y a pas mal d'allées et venues.
Il faut aussi faire, hein. Ça n'est pas un 3 étoiles. Oui, j'espère que vous n'avez pas été trop dérangé. Je vous souhaite bon voyage. Merci. En route, les enfants. Qu'est-ce qu'il y a dans le cul cette nuit? Le numéro 4 n'a pas dormi. Ils ont ramené 2 bagnoles. C'est pas une raison pour réveiller tout le monde. Et j'arrête pas de lui dire, je crois qu'il s'en moque. Tu sais qu'il veut pas m'écouter. Le 4 ne va pas nous faire de la pub. Il faudrait qu'il arrête son barouf. Enfin, les affaires roulent quand même. Comment c'était cette nuit? Presque plat. Ah, nous avons la chance d'être situés près de l'autoroute. Tu as raison. Et les panneaux que j'ai... Je veux dire que nous avons mis en place, ça commence à payer. Oui, ça j'en suis sûre. Et ça nous attire du monde. Non, arrête, tu es fou. Si jamais il te voit, il te tue. Il est à sa voiture. Ah, non, laisse-moi m'en assurer. Bon alors, ça y est? Ça y est. Vous voulez l'emmener? Est-ce que ça t'embête de la garder chez toi? Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Tu l'inscris sur une de tes chambres. Ça peut être celle d'un client. Tu mets n'importe quel nom sur le bouquin. Elle restera pas longtemps. On n'a pas encore trouvé la peinture. Vous avez rien de plus voyant? Elle risque d'attirer l'attention. D'accord, je vais vous la garder un peu. 3 jours. C'est suffisant. Evald va tout expliquer. Ce soir, tu peux passer? Ce soir, je peux pas, j'ai affaire. Dis-lui que je téléphonerai. Merci. Il est peut-être sorti plus tôt. Ou plus tard. Non, il part ni plus tôt ni plus tard. Il part toujours à l'heure exacte. Tu as peur, on dirait. Non. Ce sera la première fois qu'il fait quelque chose pour nous. Et pour lui aussi. Seulement, il n'en sait rien. Bonsoir. Bonsoir. Je suis docteur. J'habite juste en face. J'ai entendu des cris, au secours, on m'attaque. Cet homme est mort.
Un coup dans la poitrine, un coup de couteau en plein cœur. Arasco Albert, âgé de 56 ans. Employé dans un supermarché, transporteur, port d'armes en règle, naturellement. Oui, mais son arme, où est-elle? C'est éteint. Il n'est pas rentré. Pourquoi? Ça fait déjà des heures. Oh, il n'y a pas à s'inquiéter. Il y avait la police à informer, déclaration à faire, tout un protocole à respecter. Tu le connais bien. On n'a qu'à l'attendre. Et Docker, si tu lui donnais un coup de fil? Pourquoi veux-tu que je l'appelle? On avait prévu de se voir demain. Demain après-midi. Écoute, tu devrais lui téléphoner pour savoir ce qui se passe. Anya, on a un accord, il faut patienter. Parce qu'elle a dit qu'il n'aime pas travailler... qu'il n'aime pas travailler avec des débutants. Appelle-le. Pourquoi il nous traite de débutants? Il a dit n'importe quoi. On est des adultes. Il nous prend encore pour des enfants. Motel Polar. Demande qui c'est. C'est de la part de qui? C'est Michael Rasco. Je le prends. Retourne te pioter. Mais pourquoi est-ce qu'il t'appelle au milieu de la nuit? Je t'ai dit de foutre le camp. Un moment. Qui êtes-vous? Excusez-moi de vous téléphoner. Mais qu'est-ce qu'il y a? On est là et on sait rien. De quoi parlez-vous? De quoi je parle? Vous êtes Monsieur Docker, je reconnais votre voix. Tout est en ordre? Vous êtes seul? Oui, on est seul. Mon père n'est pas rentré. C'est pour ça que je vous appelle. La police n'est pas chez vous? Pourquoi la police? Écoutez-moi bien, écoutez attentivement. Mais surtout, gardez votre sang-froid. Écoutez-moi un instant, mais gardez votre sang-froid. Que s'est-il passé? Votre père, il est devenu comme cinglé. Il est devenu malade, il m'a presque tué. Je ne pouvais rien faire contre lui, il m'a... Il m'a fallu recourir à la force. À la force? Pourquoi à la force? Vous n'écoutez donc pas? Je vous dis qu'il m'a presque tué. Ma vie était en danger. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Une petite minute, il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Laissez-le sonner. Et écoutez... Quand la police arrivera chez vous, réfléchissez que c'est vous qui m'avez donné l'ordre, compris? C'est vous qui m'avez donné l'ordre. Votre ordre, vous entendez? Comment? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne comprends rien à ce que vous dites. Qu'est-ce qu'il fabrique? Il y a de la lumière, il y a quelqu'un. J'ai rien compris à ce qu'il m'a dit. Il a fallu recourir à la force. Va ouvrir. Bonsoir, brigade criminelle. Pouvons-nous vous parler? Oui, naturellement. Merci.
La brigade criminelle, Michael. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Monsieur Albert Rasco est votre père? Oui. Il est transporteur de fonds dans un supermarché. Oui. Oui. Je suis navré car je n'ai pas de très bonnes nouvelles pour vous. Votre père s'est fait attaquer par un malfaiteur. Il a été mortellement blessé. Je suis désolé. Mortellement blessé? Oui. Un coup de couteau dans le cœur. Mort instantanée. Non. 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 Vous savez qui l'a tué? Non, nous l'ignorons. Le meurtrier s'est enfui en voiture. La seule chose que nous savons, c'est que c'est une Renault sombre. Un avis de recherche a été lancé immédiatement. Jusqu'à présent, ça n'a donné aucun résultat. Et notre père, où est-il? On va à l'autopsie à l'Institut médico-légal. C'est le règlement. Je vous ferai tout de suite prévenir quand vous pourrez procéder à l'enterrement. Je vous présente toutes mes condoléances. Tu peux être content, tu peux l'être. C'est toi qui as eu cette idée. Il est mort, 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 mort. T'es complètement folle. Toi aussi, tu étais d'accord. Alors c'est ta faute aussi. Ne me dis pas que tu n'étais pas d'accord. C'est toi qui as dit que ce docteur était bien l'homme qu'il nous fallait. C'est toi qui as dit qu'il connaissait son affaire. Au fait, combien de fois est-ce que tu as sonné? 5 ou 6 fois. C'est bizarre, ils étaient complètement habillés quand on est entré. Par conséquent, ils n'étaient pas couchés. Alors pourquoi ne nous ont-ils pas ouverts? Ça me plaît pas, ça. Oui, c'est bizarre. Ça m'étonne aussi. Pourquoi tu restes là? J'ai pas sommeil, tire-toi. À cause du coup de téléphone? En quoi est-ce que ça te regarde? Fous-moi le camp. Je t'ai dit de me foutre le camp. Anya. Je t'en prie, ressaisis-toi. Voyons. Je sais que c'est effrayant. Ce n'est pas ça que je voulais, tu le sais bien. Anya, tu le sais très bien. C'est pas ce que je voulais. Dis quelque chose. Dis quelque chose. Est-ce que tu veux boire? Oui, je vais t'apporter à boire. Appelle-le. Pourquoi? Appelle-le. Mais pourquoi je lui téléphonerai? Pour lui demander pourquoi papa a été tué. Il nous l'a déjà dit. Il nous a dit que sa vie était en danger. Pourquoi sa vie était en danger? Tu avais pris soin de retirer les balles. Je l'ai vu, j'étais là quand tu as retiré les balles. C'est là que tu les as retirées. Il n'avait pas pris le revolver. Comment Docker a-t-il pu être en danger? Il ment, j'en suis sûre. Tu entends? Appelle-le. Qu'est-ce que tu veux que je dise?
Que c'est lui qui a tué papa, c'est tout. Oui. Monsieur Docker. Oui, qu'est-ce que vous voulez? La police sort d'ici. Et après? Vous avez assassiné mon père. Un moment, voyons, un moment. Vous avez assassiné mon père. Mais voyons, vous énervez vous pas. Vous avez assassiné mon père. La police est encore là? Non, elle est plus là. J'espère que vous avez réalisé que j'ai respecté nos engagements. Que j'ai agi sur votre ordre. J'espère aussi que vous avez tenu votre langue. Répondez-moi. Ça irait mal si vous causiez. Allô? 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 Mais répondez-moi. Allô? Vous essayez de me rendre responsable de tout. Oh. Ah. T'as rappelé au téléphone? Ouais. Tu as des embêtements? Non. C'est sans intérêt. Une bêtise, rien d'autre. Je te raconterai ça plus tard. Alors, tu te lèves? Tu vas rester couché pendant longtemps? Ça n'y changera rien. C'est pas ça qui le fera revenir. Alors lève-toi, je vais t'en faire sortir. Tenez, voilà les relevés. Voilà les attestations de dépôt et on a aussi les relevés. Merci. Ainsi, les numéros des trois bombes sont 1,81, 1,87 et 1,01. D'après vous, quelle serait la somme qui a disparu? En tout, environ 84 000 marques. En général, le dépôt est fait par deux personnes. Oui, par Asco et par M. Lohmann, mais ce jour-là, il était malade. Depuis quand date sa maladie? Elle date d'une semaine. Hmm. Est-ce que quelqu'un pouvait savoir que Asco serait tout seul pour la livraison? Ça, je n'en sais rien. Durant trois jours, il y a eu un responsable pour l'accompagner, mais M. Asco ne l'a pas apprécié, alors nous l'avons laissé seul. Alors, parce que Asco n'avait pas aimé qu'on l'accompagne, vous l'avez laissé seul? J'en conclus que Rasco était un homme de confiance. Oui, ça, il l'avait prouvé. Il a maintes fois dit, pour me prendre cet argent, il faudra m'assassiner d'abord. Mm-hmm. Bien. Ce sera tout, pour le moment, en tout cas. Merci. Mais de rien. Ah, encore autre chose. Est-ce que vous connaissez la famille de Rasco? Il avait deux grands-enfants, mais je crois qu'il y avait de l'eau dans le gaz. Que voulez-vous dire? Ils avaient tous deux travaillé ici, mais pas longtemps, et... parce qu'aucun des deux, naturellement, n'avait la conscience de leur père. Oh. Oui, je vois. Au revoir. Tu manges quelque chose? Il y a deux jours que t'as rien dans le ventre. Allez, fais-moi plaisir, mange. Essaye. Allez, fais un effort. Que va-t-on faire, Michael? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On ne peut pas rester comme ça. Dis-moi quoi faire. Moi, je ne sais pas. Je t'écoute. Mais on doit le dénoncer. On est dans le coup. Tu comprends? Non, laisse. Mange-le, toi. Si seulement il l'avait pris. Ouais, il aurait eu l'air malin. Mais pas une cartouche.
Je suis content que cette voiture disparaisse. Vous faites de plus en plus de bêtises. Ça va, nous savons ce que nous avons à faire. Je prends pas la voiture maintenant. Pourquoi? Je croyais que tu voulais la faire maquiller. Non, le client veut la voir comme elle est. Ça m'arrange. Il viendra la prendre lui-même. Et tu passeras à la caisse. Mais t'es malade. Pas question de connaître mon adresse. C'est pas une poubelle, ce motel. Evald a dit que pour une fois, t'essayes de lui faire plaisir. Là, j'aimerais que tu me dises pourquoi. C'est très simple. Il veut que personne ne connaisse son adresse. Il est 5 heures et déjà 4 chambres de prise. Le numéro 5 demande si on a quelque chose à manger. Non, nous n'avons rien. On fait de la location, pas à manger. On pourrait leur donner quelque chose. Un steak, par exemple. C'est pas dur à faire cuire. Il n'y a qu'à sortir un morceau de viande du frigo. J'ai d'autres soucis en tête. Quel genre de soucis as-tu donc? Je pense qu'il a probablement tué quelqu'un. Je vais le tuer. Je vais le descendre. Si tu ne le fais pas, je le ferai. Tu es complètement dingue. Je le tuerai. Bonsoir. Bonsoir. Brigade criminelle. C'est par là. Merci. Bonsoir. Bonsoir, docteur. Brigade criminelle? Oui. Nous n'avons rien pu faire. Cet homme est mort. Un coup de feu. Qui est cet homme? Approchez, s'il vous plaît. C'est monsieur Docker, Alvin Docker. C'est le propriétaire du motel. Et vous êtes? Hausner, Evin Hausner. Ah, vous travaillez ici? Oui. J'ai mon travail ici et j'habite également ici. Et vous? Je m'appelle Kurteger. Je travaille aussi ici, gardien, portier, toutes sortes. Ouais. On peut discuter quelque part? Merci. Alors, racontez-moi. Oui, je ne sais pas grand-chose. J'étais dans ma chambre. Et c'est vrai, vous habitez là. Oui, il faut qu'il y ait quelqu'un quand un client arrive au milieu de la nuit. Asseyez-vous. Où est votre chambre? Tout près de l'entrée. Est-ce que vous avez entendu ou vu quelque chose? Oui, j'ai entendu un moteur de voiture. Comme je ne savais pas si quelqu'un était levé, je suis sortie. Alors à la porte, j'ai rencontré Alvin, monsieur Docker. Mm-hmm. Il venait d'entrer et il m'a dit que c'était pour lui. Je suis allée me recoucher. C'était pour lui. Y a-t-il dit de qui il s'agissait? Non, il a dit seulement « va te coucher ». Est-ce que Docker attendait quelqu'un? J'en sais rien du tout. Souvent, pendant la nuit, des gens laissaient leur voiture en stationnement. Mais ne prenaient pas de chambre. Mais ils laissaient leur voiture là? Comment ça se fait, ça? Oui, ils venaient la reprendre le lendemain matin. Avez-vous demandé à Docker ce que ça voulait dire? Oui. Mais il disait que j'en avais rien à faire. Et avez-vous une opinion sur ce dont il s'agissait? Non, aucune. Et il avait raison, alors j'ai pas insisté, j'ai pas cherché plus loin, je suis repartie dans ma chambre et je me suis recouchée. Mais tard dans la nuit, j'ai entendu le coup de feu. Je me suis levée et je l'ai trouvé allongé. Et l'assassin? Une voiture a tout de suite démarré. Je peux dire quelque chose? En général, je rentre vers minuit tous les jours. Je n'habite pas très loin et je fais toujours le chemin à pied. J'étais déjà sur la grande route quand j'ai vu arriver une voiture. J'ai songé que c'était peut-être des clients. J'ai fait demi-tour. Dans la voiture, il y avait un homme et une jeune fille. J'ai demandé, vous cherchez une chambre? Il a dit, non, non, je cherche Alvin Docker. Je lui ai dit, vous n'avez qu'à entrer. Avec un peu de chance, il n'est pas encore couché. Le jeune homme était assez nerveux. Il parlait avec difficulté. Il avait l'air aussi troublé que cela? Oui, il a eu un grand soupir et il a dit merci, merci bien. Alors, je me suis éloigné. Un homme jeune et une jeune fille, c'est cela? Oui. Pourriez-vous nous en faire une description? Oh,
Je suppose que ça me serait très difficile. Il faisait sombre et il n'y avait pas de lumière. Non, non. Non, difficile de les décrire. Ah. Vous pensez qu'ils sont entrés au motel et sont allés à la réception, c'est ça? Je suppose que oui. Vous avez fini? Nous avons fini. Bon, alors, bonne nuit. C'est un coffre-fort qui est là? Est-ce que vous avez la clé? Non, il l'a conservée constamment dans sa poche. Et il y a ici toutes les affaires que le mort avait sur lui. Ça doit être une de celles-là. Oh, c'est pas possible. 1,87. 1,81. 1,01. L'argent du supermarché. Ah oui, vous restez à notre disposition. Je vous reverrai demain matin. Naturellement. Merci. La voiture n'est plus là. Il s'agit de quelle voiture? Je vous l'ai dit, il y a quelquefois des voitures qui arrivent la nuit. Depuis deux jours, il y en avait une devant le numéro 9. Cet après-midi, elle y était encore et elle est partie. Une grosse Mercedes. Les enfants de Rasco. Oui, on y va? Non, non, non. Pourquoi non? Pour l'instant. J'essaye de réunir les données. Anya, tu veux qu'on continue à vivre de cette façon? Allons, lève-toi. Mange. Tu veux te laisser mourir? Bonjour, monsieur Rasco. Pouvons-nous entrer? Je vous en prie. Merci. Tu veux venir? Nous attendrons votre sœur. Anya, on t'attend. Bonjour. Vous êtes souffrante? Oui, elle va pas bien. La mort de papa l'a beaucoup traumatisée. Moi aussi. C'est normal. Monsieur Rasco, votre père avait un revolver. J'aimerais que vous puissiez me le montrer. Le pistolet de mon père? Oui, il ne le portait pas au moment de l'attaque. Alors, logiquement, je pense qu'il doit être ici. Le pistolet, je l'ai plus, je l'ai jeté. Vous l'avez jeté? Oui, je l'ai jeté. Et pourquoi vous en êtes-vous débarrassé? Je voulais pas le garder ici. Et pourquoi ne vouliez-vous pas le conserver? Je voulais pas, c'est tout. Mais quand vous en êtes-vous débarrassé? Dans la nuit. Où est-il? Près du virage. Dans le canal. Il faut que je vous dise quelque chose. Le meurtrier de votre père a été découvert. C'est un certain Docker, propriétaire d'un motel. Les trois bombes se trouvaient dans le coffre-fort et l'argent a été lui aussi retrouvé intact. Voilà. Ensuite, c'est Alvin Docker, à son tour, au milieu de la nuit, a été abattu. Il est mort? Oui, il est mort. Non, Anya. Non, non. Vous nous demandiez où est le revolver de mon père, parce que...
parce que vous croyez que c'est moi qui ai tué Docker. Non, Anya, non. Je n'ai pas tué Docker. Oui, j'ai voulu le tuer, mais je n'ai pas eu le courage. Non, Anya, non. C'était fou de vouloir faire ça. Je savais bien que c'était fou et complètement idiot. Je disais à Anya, j'ai une idée absolument idiote pour se faire un peu d'argent d'une façon toute simple. On prend celui de papa. Un samedi, quand il le porte à la banque. Je suis sûr qu'il n'aura jamais l'idée de se défendre. Vous connaissiez très mal votre père, on dirait. Et dites-moi, comment êtes-vous entré en relation avec un garçon comme Docker? Bah, en fait, c'est au café que je l'ai connu. On m'avait dit qu'il avait déjà fait de la tôle. J'ai cru que c'était bon pour notre affaire. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu veux que j'en pense? Qu'il n'a pas assassiné Docker? Demande-moi plutôt s'il était capable de le faire. C'est sûr, avec ce genre de naïveté, c'est sûr. Oui, nous voulions tuer Docker. Moi, je le voulais. Anya le voulait. Oui, j'avoue que je le voulais. On voulait se venger. On y est allé. Un homme s'est approché de la voiture. Vous cherchez une chambre? Non, non. Je cherche Alvin Docker. Il n'est pas encore couché. Vous n'avez qu'à entrer, avec un peu de chance. Merci. Merci. Merci bien. Pas de quoi. Je suis descendu de voiture. J'ai dit à Anya de ne pas bouger, de ne pas entrer. J'ai rencontré Docker devant la porte. Tiens, c'est toi? Je l'aurais parié que tu viendrais. Attends là. Ne bouge pas. Tu peux entrer. Docker était très nerveux. Moi aussi. J'étais terriblement nerveux. Écoute-moi bien. Ce qui s'est passé, j'en suis le premier désolé. Je peux te jurer que j'en suis le premier désolé. Je te jure que c'était pas prévu. Et tu peux me croire. On s'est tous les deux paniqués. Ton père était devenu fou furieux. Il m'a pris par le cou. Il était terriblement costaud. J'ai commencé à étouffer. J'y voyais plus rien. J'ai songé qu'à me débarrasser du bonhomme qui me serrait. Pourquoi tu restes planté comme ça? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Tu veux que je te répète que je suis désolé? Il faut comprendre. J'ai pas tellement l'habitude de tuer pour me faire plaisir. Alors, calme-toi un peu, fiston. L'argent est ici, en sécurité. Je l'ai mis dans mon coffre. Et vous aurez votre part. Tout marche comme on a prévu. Il m'a proposé l'argent. Il a sans doute réellement cru que j'allais accepter. Arrête de me regarder avec ces yeux-là. Mais qu'est-ce que t'aurais voulu que je fasse? Je ne l'ai pas fait exprès. Je pouvais rien faire d'autre. Alors j'ai sorti le revolver. Mais tu es fou. Veux-tu ranger ça? Allons. Tu vas faire une sottise. Ça ne le fera pas revenir. Tu entends? Pas ça. Je n'ai pas pu. Je n'ai pas eu le courage. Je me suis retourné et je suis sorti. Je n'ai pas tiré dessus. Je n'ai pas eu le courage. Bon,
Je te remercie. Anya, votre frère est entré dans le motel, n'est-ce pas? Vous êtes resté dehors. Avez-vous entendu un coup de feu? Ils mentent et ils se foutent de nous. Ils ne parlent que de ce que nous pouvons prouver, tu le sais. Nous, nous pouvons prouver qu'ils se trouvaient tous deux au motel au moment du meurtre, et ça, ils ne le nient pas. Ils ne nient pas non plus qu'ils avaient tous deux l'intention de tuer Docker. De le tuer, Stéphane, avec l'arme de leur père, qui a disparu, comme par enchantement. Le rapport d'autopsie de Docker. Ah, oui, merci. Et voilà, écoute ça. Le calibre de l'arme est, selon le port d'armes de Rasco, identique à celui de l'arme qui a tué Docker. Alors, ça paraît incontestable, non? Oui, incontestable, en effet. Harry, il a dit, je voulais le tuer, je n'ai pas eu le courage. Je pense que nous aurions dû déceler le mensonge. Le déceler? Comment voulais-tu qu'on arrive à le déceler? Oui, je sais, seulement avec ces deux gosses, c'est autre chose, ils ne savent pas se contrôler. Alors, je pense que nous aurions pu déceler le mensonge. Le dossier Docker. Merci. Peine de prison plusieurs fois pour vol et maquillage de voiture. Vous avez dit que la nuit dernière, la voiture était partie, hein? Oui, la grosse Mercedes. Qui est égarée là? Là-bas, devant le dernier appartement. Ah. Les clients gardent toujours leur voiture en face de leurs appartements. Et la nuit dernière, le jeune homme que vous avez vu dans sa voiture est entré dans le motel, vous en êtes certain? Ah oui. Est-ce que vous avez remarqué la Mercedes? Alors ça, je n'en sais rien. Seulement, je sais que je n'avais pas vu qu'elle avait été enlevée. On dirait que vous ne voyez pas grand-chose. Vous avez songé une seconde qu'il pouvait s'agir d'une voiture volée? Pas du tout. Alvin Docker a fait des années de prison pour trafic et maquillage de voitures volées. Je n'en avais aucune idée. Vous savez, ça peut paraître très suspect, sans doute, mais si je demandais quelque chose, il ne me répondait pas. Est-ce que, par hasard, vous auriez en tête le numéro d'immatriculation? Non. Est-ce que c'est tellement important de trouver le revolver? Oui, c'est très important. Parce que si on retrouve toutes les balles dans le chargeur, ça prouvera votre innocence. J'ai besoin de ses documents, son carnet d'adresse, tous les numéros de téléphone de tous ses amis. Tout est là? Oui, oui, et ses relevés de banque également. Les relevés de banque? Bien entendu. Les relevés de toute l'année? Oui, donne-moi tout ça. Mais ça, c'est votre compte. Oui, parce que... le motel est à mon nom. Pourquoi est-ce qu'il est à votre nom? Il a voulu qu'il le soit. Je suis propriétaire du motel. Légalement, en tout cas. Quelle relation y avait-il entre vous et Docker? On vivait ensemble. Et il a sans doute mis son argent à votre nom. Mais il disait, si jamais il m'arrive quelque chose, il voulait que j'aie pas d'ennui. Ah ouais, je vois ça. Vous me faites un paquet de tout ça. Désolé, excusez-moi. Je voudrais ajouter quelque chose. Les personnes que vous aviez rencontrées dans la nuit viennent d'être retrouvées. Le jeune homme nous a déclaré qu'il avait l'intention de tuer Docker. C'est le fils du transporteur de fonds que Docker a assassiné. Est-ce que vous étiez au courant de cela? Non. Non. Vous nous avez déclaré, entre autres, j'ai entendu une voiture, alors je me suis levé, je suis allé dans l'entrée. Ensuite, Docker est rentré.
Et il vous a dit, c'est pour moi, va te recoucher. C'est bien ça? Oui. Vous avez entendu un coup de feu? Vous l'avez entendu quand? Peu de temps après. Essayez d'être précise. Savez-vous combien il y a eu de minutes qui se sont écoulées? Deux, trois, quatre minutes, peut-être. Le jeune homme a avoué qu'il avait vu Docker et qu'il l'avait menacé avec l'arme de son père, mais qu'il n'a pas tiré. Vous avez cru ça? Bon, je vous remercie. Voilà. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Vous êtes un petit vénard. Je pense que c'est une sacrée astuce de la part du gosse. Il a remis un chargeur après avoir tiré parce qu'il savait que nous allions le soupçonner. Il savait que le revolver serait retrouvé. Mais il voulait que le revolver soit retrouvé. C'est assez compliqué, ton raisonnement. Hein? Peut-être, seulement. Et tu vois un autre assassin? Réfléchis un peu au milieu dans lequel Docker évoluait. Vol de voitures, trafic de voitures au-delà de nos frontières et aussi affiliation à une bande de gangsters patentés. Tu vois le tableau? As-tu vu du côté des déclarations de vol de voitures avec Hoffman? Oui, il y a une 500 SE signalée comme étant volée. Peut-être est-ce la voiture qui se trouvait chez Docker. Ah. Oui, Klein, j'écoute. Oui, un moment. Hoffman, quand on parle du loup. Ah. Oui? Allô, Derek. Tu cherches toujours ta Mercedes? Je crois que c'est la voiture qui a été trouvée près de la frontière vers Mühlhausen. Et le chauffeur a été mis en taule. Quand est-ce que je peux voir ce monsieur? Aucune importance. Non. Ça peut être la nuit. Bonsoir, messieurs, dames. Oh, une minute. Vous êtes encore là? Bonsoir. Bonsoir. En quoi monsieur. Puis-je vous être utile? Oh, on n'est pas aux pièces. Prenez tout votre temps. Je vois que vous avez beaucoup de travail. Je vais me libérer. Il fait drôlement bien son boulot, hein? Tu sais, il a tiré le gros lot en devenant l'amant de la propriétaire. Je crois qu'ils vont réussir à faire tourner cette baraque. On peut se faire réveiller? Oui, naturellement. Vous voulez me dire à quelle heure? À 6 heures, s'il vous plaît. Entendu, c'est noté. Bonne nuit. Merci. Donne-moi la clé du 3. Vous voulez remplir vos fiches, s'il vous plaît? Encore une petite minute. On a tout notre temps. On va aller faire un petit tour. On vous attend dehors. Venez, descendez. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Est-ce que c'est la voiture qui est restée garée ici deux jours? Je crois bien. Allez, descendez. Rejoignons-les. Voici M. Grohmann. C'est lui qui est venu chercher la voiture volée qui est restée là pendant deux jours. Il s'est fait coincer en arrivant à la frontière et il est ici en qualité de témoin. Ça, c'est le jeune homme qui voulait savoir si Docker était là. Que lui avez-vous répondu? Mais ce que j'ai répondu, vous le savez déjà. Je lui ai dit que M. Docker était là et qu'il n'avait qu'à entrer. Voulez-vous entrer, M. Rasko? Et ensuite, vous ne vous êtes absolument pas occupé de lui, en dépit du fait qu'il avait l'air excité et énervé. C'est bien ce que vous avez dit. Oui. Vous aviez terminé votre travail? Oui. Allez, maintenant à vous de jouer. Je vous ai déjà tout raconté. Alors racontez une fois de plus. Je devais prendre la bagnole. On m'avait dit où elle était. J'ai ouvert la portière et vérifié si tout fonctionnait. Une voiture s'est amenée.
Quelqu'un s'est approché de la bagnole. Ensuite, ce jeune homme est descendu. Docker s'est amené et il l'a emmené dans le motel. Et ce mec n'est pas reparti. Il s'est planqué et il a attendu. À un moment, le jeune homme est parti en courant. Il est remonté en voiture et s'est tiré. Alors l'autre mec est entré. Et peu de temps après, il y a eu le coup de pétard. Alors, est-ce que vous êtes d'accord? C'est vous qui avez tué Docker. Venez. Maintenant, nous avons un série. Je veux savoir toute la vérité. Dites-nous ce qui s'est passé. Et surtout, n'oubliez pas les détails. Bon sang. C'est toi? J'ai eu la trouille, ce petit imbécile vient de me braquer avec son revolver. Est-ce que tu l'as aperçu? Oui. Je l'ai vu s'enfuir. Qu'est-ce qu'il voulait? Il est fou, allié. Il me braque avec un flingue. J'ai eu chaud. Il faut que je boive un coup. J'avais plus un poil de sec. Evelyne, donne-moi un verre. Evelyne! Allez, retournez chez vous. Tu penses qu'ils pourront s'en sortir? Dieu seul le sait. L'appât du gain à ce point-là, c'est atroce.